Bon matin à toutes et tous. On se retrouve eh bien pour le message de ce bel oracle Parfum d'âme pour ce mardi 25 juin 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer la petite philosophie du matin aujourd'hui pour ce 25 juin, futilité. Il faut savoir apprécier chaque instant de sa vie, si futile soit-il. Ainsi, le parfum d'un bol de café fumant sur la table, dans le silence du matin, est un début de bonheur. Apprécier tous ces petits moments, c'est important. Aujourd'hui, j'ai pigé renaissance. Après une période difficile, se cache une grande transformation remplie d'opportunités inattendues et de nouveaux challenges à relever. Renaissance, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, passé des moments ou une période difficile, pas facile à vivre. Mais vous savez, rien n'est figé. Donc, ce sont des périodes, évidemment, qui sont très dures à vivre, mais qui font partie de votre évolution. Eh bien, toute cette période, pour certains d'entre vous, elle est derrière vous. Il y a un changement qui est imminent. Et on vous invite à être prêt à le voir s'installer dans votre vie. Ça peut être dans le milieu familial, ça peut être dans le milieu professionnel, sentimental, personnel. Trouvez votre chemin en écoutant cette petite voix, vous savez, cette petite voix qu'on a toutes et tous en nous, et qui vous dit de prendre telle ou telle direction, car elle sait ce qui est beau pour vous. Et que vos rêves deviennent réalité, il vous faudra mettre eh bien, les choses en marche. Voilà, encore une fois, vous avez vécu une période vraiment, de vache maigre. Ça n'a pas été facile. Peut-être que c'est dans votre couple, dans une séparation, au point de vue de vos enfants, au point de vue professionnel. Il y a des décisions que vous avez dû prendre, qui n'étaient pas faciles à prendre. Vous avez fermé une porte. Vous avez fait un lâcher-prise sur certaines choses. Et là maintenant, il y a une renaissance. C'est-à-dire que vous avez ouvert une porte. Faites entrer de la nouveauté dans votre routine quotidienne et faites le grand ménage de printemps en vous débarrassant de tout ce dont vous n'avez plus utilité. Il serait bon aussi de purifier votre énergie, purifier votre maison. Et pourquoi pas, vu qu'il y a une renaissance qui s'installe, qui s'en vient, pourquoi pas de changer de look, pourquoi pas faire une coupe de cheveux, pourquoi pas faire un relooking. Inviter le changement dans votre vie est une très bonne chose pour attirer à vous ce à quoi vous aspirez, c'est-à-dire un second souffle, parce que vous venez de passer une période très difficile. Et moi, je sais que dans mon jeune temps,
je passais des moments difficiles, eh bien, j'allais chez le coiffeur. J'avais envie d'une nouvelle tête, mais pourquoi pas vous, n'est-ce pas? Voilà, et pourquoi pas aller vous relooker, hein? C'est voilà, on fait peau neuve. Ça nous aide à eh bien à revivre, parce que bon, je suis certaine que pour certains d'entre vous, vous avez été dans le gouffre, mais sachez que vous avez tout ce qui est à l'intérieur de vous, eh bien, vous avez des ressources cachées que vous n'êtes même pas conscient que vous les avez. Moi, je peux vous dire, j'ai été très loin et je pensais pas m'en sortir et je m'en suis sortie. Donc, vous pouvez le faire. Et là, c'est magnifique parce que c'est une renaissance. Après cette période de difficulté que vous venez de passer, mais c'était là pour votre évolution. Vous deviez passer par ces difficultés. Et là, il y a une renaissance. Parce que vous avez fait ce travail. Parce que vous vous êtes écouté, parce que vous vous êtes redressé, c'est important pour pouvoir avancer et que vous n'avez rien lâché. Eh bien voilà, c'est un beau message. Je termine par l'énergie de guérison et aujourd'hui, tout se place. J'ai confiance en la vie car je sais que tout arrive à point. Quand mon âme est prête, je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Très beau message, n'est-ce pas, de guérison? Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.